al final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar y dime quién. Le truc de la voiture, c'est un mensonge de Véronica pour qu'elle arrive en retard au dîner et pour faire enrager mon père. Tu veux plutôt dire pour qu'elle aille voir son amant? C'est vrai, quoi, sois pas si naïve. Je te parie tout ce que tu veux que ton père est parfaitement au courant. Non, c'est impossible, Laura. Si mon père soupçonnait que Véronica avait un amant, il l'aurait déjà flouqué dehors. Même s'il est follement amoureux d'elle, il pourrait pas le supporter. Peut-être qu'il se doute de quelque chose, mais qu'il a pas encore de preuves, et c'est ça le problème. Ça pourrait expliquer pourquoi il faisait la tête ces derniers jours. Et bien sûr, Véronica l'a convaincu qu'elle était une sainte nitouche. Ouais, c'est possible. Gabi, Gabi, c'est pas Véronica, là? Si. À tous les coups, elle va rejoindre son amant. Oui, ou récupérer la voiture. Gabriella, je t'en prie, ouvre les yeux, elle sait parfaitement que ton père ne rentre pas avant ce soir tard, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors dépêchons, faut la suivre. Non, Laura, on a plein de boulot. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'on bosse? Ou qu'on prouve à ton père que sa femme est en train de le tromper? Bon sang, réfléchis, Gabi. Ok, c'est bon. Bah, tu vois, allez, faut la suivre. Ah, un taxi. Et si t'inquiète pas, grouille. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Vite, suivez la voiture là-devant. Je te jure que je m'étais préparé à affronter la tempête. J'étais convaincu que lorsque je serais en face d'elle, qu'elle me ferait une scène, qu'elle allait faire des histoires, parce que je me mêlais de ses affaires, de sa vie. Je m'étais dit que tout ça finirait par des hurlements et des claquements de porte. Eh bien non. Tout le contraire. Et finalement, peut-être qu'elle s'est dit qu'il valait mieux avouer la vérité. Tu ne crois pas que de toute manière, tu le serais tôt ou tard? C'est pas plus mal que ce soit plus tôt que plus tard. Sinon, cette idiote aurait pris une fessée dont elle se serait souvenue. Qu'est-ce qui te fait rire? Et pourquoi tu ris? Non, j'essaie juste d'imaginer la scène. La fessée. Bon, dis-moi, quel est le problème? C'est sérieux? Véronica m'a fait comprendre que c'était en relation avec son passé, mais qu'aujourd'hui, ça allait mieux. Qu'elle était allée à Altamar. Pour se désintoxiquer. Pour se désintoxiquer? Ouais. En fait, elle a rechuté. Je me dis que... Je sais pas, mais pour quelqu'un qui veut arrêter, je me dis que ça doit être super compliqué. Ouais. Maintenant, je sais plus. Je sais plus quoi penser. Non, tu ne dois rien en penser. Rien du tout. Il faut juste avancer et voir le côté positif de la chose. Primo, elle n'a pas d'amant. Secondo, tu sais qu'elle est dépendante de la drogue et que tu peux utiliser cette information pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. D'accord, mais je peux pas la laisser. Elle a besoin de moi et moi, je suis dans l'obligation de lui apporter de l'aide. Mais non. Non, ça marche pas comme ça. Écoute, je ne suis pas vraiment un expert en mariage ni en procédure de séparation, mais... Voilà, à mon avis, je crois pas qu'il faille le faire par obligation, mais par amour. Tu ne peux pas arrêter la procédure de divorce seulement par devoir. Aujourd'hui, quand nous avons parlé, Ivan, tout a changé. Tout. Il y avait... quelque chose dans ses yeux, dans son regard, dans sa façon de parler que je n'avais jamais vue. C'était comme si j'avais une femme différente devant moi. Une vraie femme. Tu veux dire quoi par là? Plus sincère. Comme si d'un coup elle avait enlevé son masque. Sérieux? Et en plus, elle veut m'accompagner à la petite fête de ce soir. Ivan, je te jure que c'est la première fois, depuis plus d'un an au moins, c'est la première fois, depuis tout ce qui nous arrive, que je meurs d'envie de la retrouver. Oui, je suis impatient, j'ai envie de la voir. Oui, je vois ça.
Pour moi aussi, en fait, je réalise que c'est la première fois depuis que je suis arrivé sur l'île que je te vois sourire en parlant de ta femme et être heureux. T'as raison. Au bonheur. Natalia ? Natalia, c'est toi ? Je t'écoute, c'est quoi ce truc urgent qui ne peut pas attendre ? Je prie à le ciel pour que tu me rappelles. Ne dis pas n'importe quoi, tu ne crois pas en Dieu et je ne crois pas en toi. Qu'est-ce que tu me veux et qu'est-ce que t'as à me dire ? D'abord, je veux que tu me pardonnes, Natalia, d'accord ? Je m'en veux d'être partie comme ça sans rien dire. Mais je pouvais pas faire autrement, j'avais pas le choix. Laisse tomber, épargne-moi tes explications qui ne m'intéressent pas. Non, elles ne m'intéressent pas et je n'ai pas beaucoup de temps. Viens, fais attention. Elle ne s'habille que dans des boutiques de marque. Bah parce que c'est moins cher ici, banane. Oh, c'est ça, t'as raison. Elle en a rien à faire d'épargner l'argent de mon père. Elle veut toujours ce qu'il y a de mieux. Ah, ça y est, je sais. Elle est venue ici en secret pour rencontrer son amant. D'accord. Mais pour le rencontrer où? Ils vont se voir dans une cabine. Ouais, je trouverais ça trop sexy. Enfin, pour l'instant, elle est seulement au téléphone. Elle parle peut-être avec lui, non? Possible. On va se rapprocher pour entendre ce qu'elle dit. Va droit au bus, Saul, s'il te plaît, parce que là, je comprends rien. Écoute-moi, t'as quelque chose qui m'appartient, Natalia. J'ai besoin de savoir quand est-ce que tu rentres. Je n'ai rien qui soit à toi. Quant à mon retour, ça ne te regarde pas. Je peux pas t'expliquer ça au téléphone. Il se peut que je sois sur écoute. Je peux faire confiance à personne. Ne me dis pas que c'est encore un de tes plans foireux. Saul, est-ce que tu t'es encore fourré dans un truc illégal ? Je t'en prie, dis-moi seulement quand est-ce que tu reviens. Tu veux que je te dise? Eh ben j'en sais rien, j'ai pas encore programmé ma date de retour. Je suis pas en train de jouer, bordel. Dis-moi quand tu rentres, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que tu t'imagines, Saul? Moi non plus, je suis pas en train de jouer. Je crois pas un seul mot de ce que tu me racontes. Je ne suis plus la même idiote qui avait l'habitude de dire amen à tout. Alors maintenant, je n'ai rien qui t'appartienne et je vais raccrocher. Non, attends, attends, Natalia, écoute-moi. Je t'en supplie, ok? T'as quelque chose qui est à moi, mais tu le sais pas. Voilà, j'ai pensé qu'en te laissant, il serait plus en lieu sûr. Je t'en prie, Natalia. Tout ça est lié à la façon dont j'ai disparu sans laisser d'adresse. Tu dois me croire. Je t'ai cherché partout au bar, et depuis je t'ai laissé une tonne de messages sur ton portable. Non, je ne veux plus être mêlée à tes embrouilles, Saul. Saul? Tu sais quoi? Je ne veux plus entendre parler de toi. J'en ai assez, tu m'as fait suffisamment souffrir. Ne me dérange plus avec tes problèmes, d'accord? Il faut que j'y aille, salut. Tu sais pas de quoi vous parlez ? Il ne sait pas de quoi on parle. T'es en train de te foutre de moi ? Tu souffres d'Alzheimer ou quoi ? Je te parle de la conversation que tu viens d'avoir il y a 30 secondes, mon pote. Avec une certaine... Natalia. D'accord, mais elle a rien à voir avec ça. Ouais. Ah bon ? Tu lui as dit qu'elle avait un truc à toi. Tu vois, Romero ? On croyait que c'était cet imbécile qui avait ce que recherche le patron. Mais non, il se trouve que c'est la belle Natalia. On était en train de parler d'autre chose, je vous jure. Ouais. Ouais, puisque je vous le dis. Intéressant. J'arrive pas à croire que tu puisses penser qu'on est aussi stupide. Je regrette, mais je crois que tu vas être obligé d'avoir une petite explication avec mon boss. Tu piges? Alors fais pas le malin. Tu viens avec nous. Allez, on t'embarque. Rouille-toi. Hey.
suis venue m'acheter une robe comme tu l'as suggéré. Mon amour, je suis vraiment content que tu te sois décidée à sortir, de changer les idées. Oui, ça veut dire que je vais mieux. Je t'appelais pour te dire que ce soir, ça commençait à 9h. Je me changerai à l'hôtel, j'aurai pas le temps de repasser à la maison. Donc, il faut que je sois prête à quelle heure? Je sais pas, disons que je t'envoie quelqu'un vers 20h30. D'accord. Véronica, je meurs d'envie d'être avec toi. Et je veux que tu saches que ça me fait beaucoup de bien de t'entendre. Moi aussi. J'espère que tu choisiras une robe rouge. Et elle ira merveilleusement avec la couleur de ta peau. Alors à ce soir. À ce soir, ma chérie. Viens, je te dis, c'est bon, ça sert à rien de rester plus. Deux téléphones, Laura. Ça explique tout. Deux téléphones. Oh, t'es lourde. Pourvu que la semaine passe le plus vite possible. Malin, hein? Tu vois ce qu'on en fait, nous, des traîtres qui ont une grande gueule comme toi. Bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'annoncer au boss. Non, d'abord, on doit se débarrasser de cet imbécile. Aide-moi à le soulever. Là-bas, dans les poubelles, soulève-le. Maille-toi. Adios. Ok, maintenant direction le bar. Quelqu'un nous renseignera bien sur cette femme. Il doit pas y avoir autant de Natalia que ça, allez. C'est parti, au boulot. Gabi, et si tu parlais de ces deux téléphones à ton père ? Non, pas question. Non, il faudrait au moins une preuve que Véronica ne pourrait pas nier. Comme le nom de ce mec, par exemple. Ouais, d'accord, mais la seule façon de connaître le nom de ce type, ce serait de vérifier dans le téléphone. Comment tu veux que je fasse? Elle doit le planquer super bien, je suis sûre. Gabi! Mais tout à l'heure, quand elle rentrera après avoir fait son shopping, elle l'aura forcément au fond de son sac. Tu me suis? Déjà là? Je me suis échappée du boulot. Anita me couvre jusqu'à la fin de mon service. Et dis-moi, tu n'as pas une idée de robe, de quelque chose d'assez élégant que je pourrais mettre? Pourquoi? T'as un rendez-vous? Non, c'est juste que, en fait, il y a une réception très importante ce soir à l'hôtel et je me demandais si la tenue que je portais au mariage de Marisol, ça pourrait le faire. Attends une minute, comment ça? Comment ça se fait que tu vas à une soirée à l'hôtel? Qui t'a invitée? Je me suis invitée toute seule. Il se trouve qu'il y a un cocktail ce soir en l'honneur de l'ambassadeur Rocha et que c'est sa famille qui, à l'origine, a fondé le lycée Rocha. Ça ne te paraît pas incroyable? Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Salut. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que t'as acheté? Une robe pour la fête de ce soir à l'hôtel. Ah, parce que tu vas y aller? À quelle heure? Je sais pas. Quelqu'un doit passer me prendre. D'accord. Ce sera tout. Je peux disposer? Dès qu'elle se sera barrée, on se met à chercher son téléphone, parce que je suis sûre qu'elle l'a hyper bien planqué. Mmh.
salut. Il faut absolument que je te parle. Oh, oui, moi aussi, il faut que je te parle. Je dois te donner des instructions. Appelle-moi ce soir sans faute à 21h30, au numéro qui est à la fin de ce message. Bisous. Oh non. Encore un téléphone public. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ces cabines téléphoniques? Ça y est, tu as tout imprimé? Oh, maman, tu es trop, trop belle! Tourne-toi pour voir! Merci, chérie! C'est pas la robe qui était toute mitée? Si, mais je suis une bonne couturière. Dis donc, tu m'as préparé tous les documents, chérie? Oui, oui, bien sûr, ils sont là. Tout est dedans, mes bulletins, ma lettre de motivation et les recommandations de mes professeurs. Parfait. Maman, je voudrais pas que tu aies des ennuis à cause de moi. Mais non, mon amour, ne t'inquiète pas. Bon, et puisque tu vas faire la fête, profites-en pour te trouver un amoureux, hein? Parce qu'à ta place, je trouverai le temps long. Non, 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 c'est pas la peine de rire. Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Avec la classe que tu as, tous les hommes vont se retourner sur ton passage. Non, justement, ma puce, l'idée, c'est que je passe inaperçue et que personne ne me remarque. Et tu le sais très bien, si je vais à cette fête, c'est pas pour me faire de nouveaux amis et surtout pas en plus des milliardaires. Allez, viens, accompagne-moi. Ça va être difficile parce que tu es vraiment superbe. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci. Salut, Véronica. Oh, bonsoir, Lorenzo. Tu savais que la réception de ce soir était une réunion politique? Oui. Felipe m'a demandé de l'accompagner. Et t'as accepté? Je suis sûr qu'il t'a obligé. Non, non, pas du tout. Il ne m'a pas forcé. Je voulais venir. Ce serait bien la première fois. Et toi, tu ne viens pas, pourquoi? Si, peut-être plus tard, juste pour pourrir la soirée de mon père. Oh. Tu sais ce qu'il m'a dit avant de partir? Non. Eh bien, Lorenzo, mon grand, ta présence n'est pas requise. Avec son petit sourire condescendant, tu vois. Enfin, tu sais comme il est, tu le connais bien. Oui, bien sûr, évidemment. Mais bon, je suppose qu'on va se croiser plus tard, n'est-ce pas? Ouais. Tout va bien? T'as l'air bizarre. Oui, ça va, tout va bien. Non, il n'y a aucun problème. Et donc, l'idée, monsieur l'ambassadeur, c'est de faire campagne pour la présidence? J'y ai songé, en effet. En fait, j'aurais énormément apprécié de ne pas avoir à lire mon discours. J'aurais préféré utiliser un prompteur. C'est précisément pour cela que je vous ai cherché toute la matinée. Croyez-moi, je suis désolé de ne pas avoir pu vous rencontrer. Je suis vraiment désolé. Et pourtant, je vous assure que j'y ai passé du temps, monsieur l'ambassadeur. Lorsque je lui ai fait part de votre réclamation par téléphone, eh bien, il a tout de suite insisté pour que je remue ciel et terre pour trouver une solution. Seulement, malheureusement, nous n'avons pas de distributeur sur l'île capable de nous fournir ce genre de matériel ou de technologie portatif. Je crois que vous pouvez remercier votre assistante qui vous défend comme une lionne. Et en plus, c'est une excellente hôtesse. Sinon, vous auriez de sérieux problèmes avec moi. Pardonnez-moi. Mon épouse vient d'arriver. Vous permettez? Waouh, tu es absolument splendide, ma chérie. Je suis heureuse que ça te plaise. Bien. Rocha est l'ambassadeur de l'île en Espagne. C'est un contact très important pour nos affaires. Je vais te présenter. Monsieur l'ambassadeur, je vous présente ma femme. Enchanté de faire votre connaissance, madame Esquivel. Oh non, appelez-moi Véronica, monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. Bonsoir, Véronica. Quelle surprise! Ça doit être, je ne sais pas, la première fois en un an que vous daignez assister à une soirée à l'hôtel. Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? Elle, c'est Julieta Celis, la directrice marketing de l'hôtel. Eh bien, disons qu'il ne s'agit pas d'une soirée comme les autres. C'est un événement très important.
Veronica, comment ça va? Ivan Cuellar, c'est le meilleur ami de Felipe. Ils jouent au tennis ensemble tous les dimanches. Oh, quoi de neuf, Ivan? Alors, c'était comment ce match de tennis? Très intense. Felipe a joué comme jamais. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Il faudra me révéler votre secret pour conquérir un top modèle aussi charmant que votre épouse. Il n'y a aucun secret, monsieur l'ambassadeur. Voyez-vous, Felipe est un homme intelligent et sensible, et ce n'est pas difficile de tomber amoureuse d'un homme pareil. Excusez-nous. Bonne soirée. Merci. À plus tard. C'est comme ça, monsieur l'ambassadeur. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Avec beaucoup de classe. Figurez-vous que ça n'a pas toujours été le cas. C'est pour cette raison que c'est une femme étonnante. Elle vient d'une famille très modeste, vous savez, et elle a grimpé très vite. Elle s'est admirablement bien débrouillée. Rocha est une personne compétente, il est très efficace. Mais quand il est en face d'une femme, jeune et particulièrement belle, il perd les pédales. Et il est venu avec sa femme? Il ne voyage jamais avec son épouse. La couleur de cette robe me rappelle des souvenirs incroyables. Oui, à moi aussi. C'est pour ça que je l'ai achetée. En tout cas, je te remercie d'être venue. Pour moi, ça signifie beaucoup de choses que tu sois là. L'aménagement de cette terrasse est impressionnant, vraiment. C'est Julieta qui s'est occupée de tout ça? Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? J'étais en train de me demander comment c'était possible qu'une journée commence d'une façon et qu'elle se termine d'une manière complètement différente. Et c'est toi qui me dis ça. Ah, oups. J'adore te voir rire. Quelque chose? Que dalle. Non, j'ai fouillé le dressing de fond en comble et il n'y a pas le moindre portable. De mon côté non plus, il n'y a rien. La salle de bain. Bien sûr, la salle de bain. Gabi, où est-ce que tu cacherais un téléphone pour que personne ne le trouve? J'ai déjà cherché dans toutes les cachettes logiques. Ok, ben on essaie les cachettes illogiques, alors. Laura, ne déplace pas tout, s'il te plaît. Véronica est hyper maniaque avec ses affaires. Si elle s'aperçoit qu'un truc n'est pas à sa place, elle verra tout de suite qu'on a fouillé. T'inquiète. Bon, écoute, on perd notre temps. Il faut se rendre à l'évidence ici, et y a rien. Ce maudit téléphone existe, ok? Et donc il est forcément quelque part. Ouais, c'est clair. Et si elle l'avait toujours avec elle? Non, impossible. Elle a rancœur avec mon père. Elle prendrait pas un risque pareil. Vous faites quoi, là? Lucas, espèce d'idiot, tu m'as fait peur. Ça te regarde pas. On essaie de mettre la main sur l'amant de ta belle-mère, figure-toi. Laura! Et vous croyez quoi? Que vous allez le trouver dans la douche ou rangé avec les serviettes? Tu veux que je te dise, Laura? Ma sœur est carrément moisie du cerveau. Tu devrais arrêter de traîner avec elle, sinon tu vas devenir comme elle. Et toi, fouille merde, arrête de te mêler de ce qui te regarde pas, ok? Et dégage de là. C'est bon, Gabi. De toute façon, il faut que j'y aille. J'ai promis à ma grand-mère que je rentrerai à la maison à une heure décente. Et il faut encore que je trouve un taxi, tu comprends? Oh, je te dépose. Sérieux? Lucas, t'as pas le droit de sortir la voiture en semaine. Surtout pas sans la permission de papa. Tu vois ce que j'étais en train de te dire, Laura? Maintenant, ma sœur prend aussi un malin plaisir à pourrir la vie des personnes qui l'entourent. T'en fais pas, petite sœur d'amour. Mon père n'y verra que du feu. À plus, Gabi. Ciao.
On y va, chauffeur. Voici Ivan Cuellar, notre nouveau vice-président des ressources humaines et relations publiques. Très heureux. Ivan, je te présente José Miguel Rueda, l'un de nos partenaires. Ravi de vous rencontrer, monsieur Rueda. Vous pouvez m'appeler Pépé. C'est vrai, après tout, désormais, nous allons pas mal travailler ensemble. Bien sûr. Alors, dis-moi, quand vas-tu officiellement intégrer la société ? Eh bien, je pense qu'on est censé faire ça demain, non ? Mais bon, si je bois encore un ou deux verres de plus, je risque de bafouiller. Vas-y doucement, alors. Ivan est nouveau sur l'île. Il n'est là que depuis un mois et demi. À présent, il est quasi installé et il a pris ses marques et noué de nombreux contacts. Et attention, ne me dis pas que tu te plais pas sur l'île. Ici, tu verras, c'est un véritable paradis. Et pas seulement un paradis tropical, mais fiscal. C'est clair. En tout cas, cet endroit me plaît beaucoup. Cela dit, on s'est mis d'accord tous les deux avec Felipe. Je vais déjà passer un an, me familiariser avec le pays et voir si je m'installe pour de bon. Et t'es marié peut-être ? Non. Non. Je vois, alors... tu vas poser tes valises ici, c'est sûr. La chose la plus importante, c'est que tu te trouves une femme qui te fasse perdre la boule. Et honnêtement, c'est pas ce qui manque ici sur l'île. Pépé, le jour où une femme fera perdre la boule à mon meilleur ami, ce jour-là, j'irai mettre un cierge à l'église et remercierai le Seigneur. Crois-moi. Bonne idée. À mon avis, c'est un message. Ta robe est superbe. Je ne l'avais jamais vue sur toi. Elle est nouvelle ? Oui, merci, c'est gentil. Et elle vient de quel couturier ? Peu importe, je l'ai vue tout simplement. Elle m'a plu et je l'ai achetée. Voyons, les gens qui ne sont pas obligés de travailler pour gagner leur croûte n'ont plus aucune idée de la valeur des choses, évidemment. Je me la suis offerte pour faire plaisir à Felipe. Il désirait que je porte une nouvelle robe, alors je l'ai fait. Bien sûr. Et Felipe, pour te faire plaisir, est capable de n'importe quoi. Eh bien, il me semble que le mariage est fait pour ça, non ? Pour faire plaisir et rendre heureux son partenaire. Et c'est la raison pour laquelle tu lui demandes qu'il te prête plus d'attention, c'est ça ? Pardon ? J'aimerais éclaircir une chose. Ce qui s'est produit aujourd'hui est totalement impardonnable à tout ça, encore à cause d'un de tes caprices d'enfant gâté. Felipe était absent. Il n'a pas pu accueillir comme il se doit l'ambassadeur. Et cet incident me met dans une situation délicate. Antonio, ce matin... Non, laisse-moi finir. J'ai toujours refusé de me mêler de ta relation avec Felipe. Je me suis toujours maintenu à l'écart, d'accord ? Mais laisse-moi te dire une chose. Jamais je ne permettrai que pour des problèmes émotionnels, mon fils manque à ses obligations professionnelles. Le plus important pour lui en ce moment, c'est son travail. Est-ce que c'est clair ? Oh oui, comme de l'eau de roche. Mais il me semble que Felipe est assez grand pour décider lui-même quelles sont ses priorités. Par conséquent, je vous serai reconnaissante de bien vouloir rester à votre place comme vous l'avez si bien fait jusqu'à présent. Ah, un conseil que j'aimerais vous donner, même si je sais que vous ne m'avez rien demandé. Quand le travail devient la priorité principale, on sacrifie toujours des choses qui sont beaucoup plus importantes. Je crois qu'il serait temps pour vous que vous reconsidériez quelles sont vos priorités. Si vous permettez. Quelle toupet ! Mais pour qui elle se prend ? Calme-toi, tu veux ? J'arrive pas à croire qu'elle soit là, c'est pas vrai. J'ai failli me prendre une gamelle quand je l'ai vue. Mais pourquoi ? J'ai jamais de bol, Charlie. Peut-être que c'est un signe du destin. Toi qui crois à ces choses-là, c'est un signe de là-haut pour que tu ne te joignes pas à la réception. Charlie, tu peux me dire quand je retrouverai une occasion comme celle-là, hein ? Peut-être jamais, Francisca, jamais. Mais ça vaut peut-être mieux. Comme ça, tu risques pas de perdre ton job. Tu sais quoi ? C'est vraiment dommage que tu aies passé tant de temps à préparer tout ça. Et franchement, pour être honnête, j'ai énormément apprécié de te voir dans cette robe. Elle te va à merveille. Est-ce que tu as vu Véronica ?
Oui, mais là, pour l'instant, je ne sais pas où elle est, mais elle est bien là, oui, oui. Et qui est l'ambassadeur? C'est, tu vois, c'est le type qui discute avec Julieta. Tu crois qu'elle serait partie, je sais pas, aux toilettes, un truc comme ça, parce que je la vois pas. Véronica, c'est moi. Natalia, mon message était clair. Il disait de m'appeler à 21h30. Je commençais à m'inquiéter. Je sais, mais je pouvais pas partir en pleine réception. Quelle réception? Ici, à l'hôtel. Pour une réunion politique avec du beau monde, c'est pas évident de m'éclipser. Tu t'es rendue à une fiesta à l'hôtel. Il me semble pourtant que j'avais été claire. Tu ne devais aller nulle part, sauf si c'était nécessaire. C'est beaucoup trop risqué, Natalia, tu te rends compte? Tu crois que je ne le sais pas, Véronica? Je n'ai pas le choix. Felipe a insisté, voilà, j'y suis allée. Tu aurais dû tout simplement lui dire non. Que tu avais la migraine, j'en sais rien. N'importe quelle excuse, que tu ne te sentais pas bien. Regarde, moi, je n'y ai jamais mis les pieds, de toute manière. Je suis sûre que Felipe ne l'aurait même pas remarqué. Ce n'est pas aussi facile, crois-moi. Il s'est passé tellement de choses ces derniers jours que je ne me voyais pas refuser. Quel genre de choses? Tout un tas de choses. À commencer par les soupçons de ton mari qui croyait que tu allais retrouver ton amant quand on s'est vu dans la cabane. Quand je suis rentrée chez toi, il était furieux. Il a voulu que je m'explique. Et alors? Qu'est-ce que t'as dit? Eh bien, j'ai insisté en disant que c'était son imagination et j'ai essayé de le convaincre qu'il n'y avait personne d'autre. Et il t'a cru? J'ai sauvé ton mariage, si c'est ce que tu veux savoir. Et tu sais grâce à qui? À Elias. Elias? Quel Elias, Natalia? Ton sponsor de ton groupe de toxico-anonymes, Véronica. Tu ne m'avais pas dit que tu étais accro au tranquillisant. Non. Non, je ne l'avais pas jugé utile. Ah non? Et il y en a beaucoup des choses comme ça importantes que tu m'as cachées. Dis-moi. Mais je te dis que c'est le moment, je dois y aller avant que Véronica revienne. Certainement pas, et si elle t'aperçoit? Eh bien, tu t'occupes d'elle, tu la distrais. Moi? Oui, toi, qui d'autre? Bon, d'accord, t'as gagné, je vais t'aider, mais je t'en supplie, fais vite. Autre chose, on va passer par derrière, ok? Et si jamais il te découvre, Francisca? Je ne sais rien, j'ai rien vu, c'est clair? Je suis pas dans le coup. Ne t'en fais pas pour ça, tout ce qu'il me faut, c'est 2 minutes pour parler à l'ambassadeur, rien de plus. Très bien, voilà ce qu'on va faire, tu vas marcher derrière moi, surtout tu ne dis pas un mot, d'accord? On fait comme si tu étais une invitée, tu es à la réception et tu t'es perdue en cherchant les toilettes ou un truc comme ça, c'est compris? Ah, encore une chose, fais bien attention à l'ambassadeur. C'est le genre de mec qui arrive plus à se contrôler quand il voit une jolie femme. Eh bien, disons que c'est plutôt un avantage. Parce que s'il me trouve à son goût, je n'aurai pas beaucoup de cinéma à faire pour obtenir une recommandation immédiate. Quoi? Hein? Oui, madame, je comprends tout à fait. L'hôtel est vaste, on se perd très facilement. C'est une invitée à la réception et elle s'est perdue en cherchant les toilettes, mais je vais la raccompagner. Par ici, s'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Monsieur l'ambassadeur. Où étiez-vous caché, mademoiselle? Je ne vous avais pas encore vue. Normal, je viens juste d'arriver. Écoutez, voilà, je souhaiterais vous voler 2 petites minutes de votre temps, c'est possible? Bien sûr que c'est possible, volez-moi. Merci, bon, commençons par le début. Moi, c'est Francesca Roman. J'ai une fille qui s'appelle Monica. Monica Roman. Elle a tout juste 15 ans et elle est incroyablement intelligente. Elle est première de sa classe et... elle veut être avocate. Et voilà... Monsieur l'ambassadeur, et je suis persuadée qu'elle peut y arriver. Alors je me disais que si elle pouvait étudier dans un établissement où on apprécierait son talent, eh bien ce serait plus facile. Naturellement, je m'intéresse beaucoup à l'éducation. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'écouter mon discours de cet après-midi. J'ai abordé la problématique de l'éducation. Non, je n'ai pas eu ce privilège, mais bon, je suis certaine qu'il était excellent. Et vous aussi? Bien sûr. Monsieur l'ambassadeur, le député Martinez souhaiterait savoir si vous pouvez lui accorder un moment. Où est-elle passée, bon sang? J'en sais rien, elle doit pas être loin. Qui est cette femme? Jamais vu. Ça doit être une invitée de l'ambassadeur. J'aimerais savoir où est ma femme. Je vais faire un tour. Non. Reviens.
Alors ça y est, tu as le petit? Oui. Il est à table en ce moment. Il mange dans la cuisine. J'imagine que tu dois être tellement heureuse. C'est vrai. Oui, tu ne sais pas à quel point. C'est un rêve qui devient réalité. Ah, quand tu rentreras, rapporte-moi une photo de lui. Ah, je suis tellement curieuse, tu peux pas savoir. Natalia, écoute-moi bien, parce que je dois encore te donner des instructions et je n'ai plus beaucoup de temps. Tu viens à Panama vendredi. Je viens te rejoindre? Je croyais que pas... Mais on fera l'échange ici, c'est plus sûr et plus facile. Je m'occupe d'acheter un billet à ton nom pour que tu n'aies plus qu'une chose à faire, te rendre à l'aéroport à l'heure du vol. Le billet d'avion sera enregistré à mon nom, bien entendu. Et une fois que je serai à Panama, je ferai quoi? Ça, je ne peux pas te le dire, je ne l'ai pas encore organisé. Et donc, je te rappellerai lorsque j'aurai toutes les infos. Je voulais simplement que tu te prépares. Et jusqu'au voyage, je te demande d'essayer de faire profil bas pour l'amour du ciel. Oui, mais c'est pas facile. Oui, je sais tout ce que tu as enduré. Et je te remercie beaucoup. Mais écoute-moi pour une fois, d'accord? Du moment que je n'ai pas à franchir d'autres avalanches, moi ça va. D'abord, c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. De toute manière, quand on se verra toutes les deux, je veux qu'on parle des toxicos anonymes, Véronica. Je n'arrête pas de m'inquiéter pour toi. Quand on sera de nouveau réunis, je te le jure, je te raconterai tout. Je suis heureuse que tout fonctionne comme tu voulais. En effet, je ne peux pas me plaindre. Pour l'instant, tout se déroule exactement selon mes plans. Bon, je dois raccrocher. Et surtout, interroge régulièrement ta boîte mail, d'accord? Et n'oublie pas de la vider, Natalia, s'il te plaît. Tu lis et tu supprimes. Et prépare tous tes bagages. D'accord, pas de problème. Vendredi, je serai prête pour le voyage. Promets-moi de faire attention à toi. D'accord, à bientôt. Tu pars vendredi? Madame. Bonjour, bienvenue. Ok, Véronica. Voici notre homme. Il s'appelle... Ça ne m'intéresse pas. Je préfère ne pas le connaître. Je peux compter sur votre discrétion. Moi, tout ce qui m'importe, c'est le solde que vous allez me payer. Le reste, c'est pas mon problème. Parfait, dites donc. J'aurai un boulot pour vous ce vendredi. Je vous appellerai pour vous dire à quelle heure exactement vous devez venir ici. Pour ce qui est de vos honoraires, pas de problème. Dès le travail terminé, je vous paierai sans discuter. Ça ne m'inquiète pas. Qui est la cible? Ma sœur. Nous sommes des sœurs jumelles. Elle va arriver ici, je vais la recevoir. Je ne sais pas encore, j'inventerai un prétexte pour sortir. Et quand je me serai absentée... Je la supprime. D'autres questions, peut-être? Je crois pas, non. Y dime quién eres.